Apprenez pourquoi le sucre est mauvais pour notre corps. Le sucre n'est pas une substance positive pour notre corps, et le problème est qu'il n'est pas seulement présent dans les boissons sucrées, les jus ou les produits de boulangerie, mais aussi dans d'autres produits considérés comme sains. Nous sommes sûrement conscients que presque tous les aliments contiennent du sucre. Non seulement les brioches et les aliments sucrés tels que les beignets, mais aussi le pain de seigle lui-même contient du sucre dans ses ingrédients. Même ainsi, nous ne sommes pas pleinement conscients de la raison pour laquelle le sucre est mauvais pour notre corps. Le sucre provoque une dépendance énorme. Beaucoup des aliments que nous consommons comportent du sucre sans que l'on s'en doute. Ces aliments sont plus appétissants, plus riches pour notre palais. La dépendance que nous cause le sucre, la raison pour laquelle le sucre est mauvais pour notre corps, c'est qu'il nous apporte des calories vides. Autrement dit, il n'est pas vraiment nutritif et ne nous fournit pas quelque chose de sain. C'est, seulement, un élément qui ne nous veut pas de bien. Il augmente nos niveaux de mauvais cholestérol, LD et L, tout en diminuant les niveaux de bon cholestérol, HD et L. Il favorise le diabète, car plus nous consommons de sucre, plus le pancréas produit d'insuline, le sucre affecte notre système immunitaire, car il retarde la capacité du système immunitaire à répondre à toute menace. Lorsque nous consommons de trop grandes quantités, il provoque des caries et nos dents se détériorent plus facilement au fil du temps. C'est la plus grande cause de l'obésité, une condition qui affecte notre santé. Le sucre crée une dépendance. Pourquoi ne pouvons-nous pas arrêter de manger du sucre Pourquoi ce composant nous semble-t-il beaucoup plus appétissant qu'un fruit parce que c'est beaucoup plus doux et, par conséquent, cela nous tente plus. Cependant, nous ne devons pas ignorer que le fait de vendre des produits générateurs de dépendance est une stratégie pour nous pousser à acheter. Notre santé n'a rien à faire ici. Et comme nous le voyons, il est clair que le sucre est mauvais pour notre corps. Alternative au sucre il est possible qu'en connaissant et en étant plus conscient des raisons pour lesquelles le sucre est mauvais pour notre corps, nous essayerons de l'éviter de plusieurs façons. Cependant, nous devons faire très attention à ce que nous utilisons pour le remplacer. L'idéal serait de ne pas le consommer. Autrement dit, si vous buvez du thé, n'ajoutez pas de sucre dedans. Tout est une question d'habitude. Cependant, si vous n'êtes pas en mesure de prendre tout cela sans sucre, il serait bon de jeter un coup d'œil aux options que nous avons à proximité. Saccharine, c'est l'un des édulcorants synthétiques les plus connus et il n'est pas sain, loin de là. Cela peut nous causer de sérieux problèmes, beaucoup plus que le sucre lui-même. Miel, c'est l'option la plus saine, mais c'est encore mieux si c'est du miel naturel. Si nous avons un ami qui travaille avec des abeilles ou qu'il recueille lui-même du miel, ce sera beaucoup mieux que de l'acheter. La stevia, elle est devenue à la mode ces derniers temps et est considérée comme une autre option saine. La stevia n'augmente pas les niveaux de glucose, mais ne les diminue pas non plus. La meilleure option serait d'utiliser du miel, aussi naturel que possible, pour sucrer ce à quoi nous nous sommes habitués. Cependant, tout est une question d'habitude. Avez-vous déjà essayé de ne pas sucrer le thé, le café ou d'autres aliments que vous avez l'habitude de sucrer Vérifiez si les aliments contiennent du sucre, bien que nous ayons vu que le sucre est mauvais pour notre corps, il ne suffit pas de l'enlever ou de le remplacer par d'autres alternatives lorsque nous buvons du thé ou du café. En effet, il est nécessaire que lorsque nous achetons un produit, nous vérifions s'il contient du sucre ou non. Le sucre est partout dans l'alimentation. La plupart du temps, nous éliminons le sucre de notre alimentation, mais nous ne réalisons pas que le pain de seigle que nous achetons contient du sucre. Par conséquent, nous continuons d'habituer notre corps à dépendre d'une substance que nous ne sommes pas conscients de consommer. Nous vous proposons un défi. La prochaine fois que vous allez au supermarché, regardez les ingrédients qui composent les produits que vous achetez. Est-ce qu'ils contiennent du sucre Quelle est votre propre opinion sur ce que vous avez découvert Lorsque vous réalisez que non seulement les boissons sucrées, les jus ou les pâtisseries contiennent du sucre, vous pouvez être plus conscient du fait que nous avons un réel problème avec cette substance. Elle est partout. Même dans les aliments que nous pourrions considérer a priori comme bons pour la santé. Avez-vous déjà essayé d'arrêter de consommer du sucre ou en dépendez-vous encore